Urai bai mote, urai mai na malewo iyo. Urai mote iyo. Oh na lewo, mama na malewo iyo. Urai mote iyo. Urai bai mote, urai bai na malewo iyo. Urai mote iyo. Mana blanga na masa ya chinu mire. Ah ah ah, si se mo. Oya si se mo. Bon, moi c'est Abdoul Bedijay, directeur technique national de la Fédération sénégalaise de taekwondo. Bon, on est ici aujourd'hui dans le cadre de la journée du projet de détection des jeunes talents initié par la Fédération sénégalaise de taekwondo en partenariat avec l'Union africaine de taekwondo. Bon, cette journée, sa particularité c'est qu'aujourd'hui on est là pour encore faire un programme de détection en vue des JOJ de 2026. Comme vous le savez, c'est d'ici 5 ans et que les jeunes qui devraient participer là-bas devraient avoir au maximum 17 ans. Donc du coup, aujourd'hui, ils sont entre 11 et 12 ans. En fait, c'est une organisation nationale quand même. À l'instar de Djoubel, Kaolack, Fatigue hier, et Dakar aussi. Aujourd'hui, c'est au tour de Thiès de faire sa journée d'élection. Hier, on a été à Djoubel, on a rassemblé les jeunes. Aujourd'hui, on peut dire que ça fait partie des ligues, une ligue assez dynamique quand même, et qui a tendance vraiment à bousculer la Ligue Dakar, qui les années précédentes était la ligue, la principale ligue au niveau du Sénégal. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même au niveau de la direction, bon, aujourd'hui, Thiès a rassemblé beaucoup plus de monde que les deux ligues réunies hier. Donc on ne peut que les féliciter et de les encourager sur le travail vraiment qui est en train d'être fait. Bonjour et enchanté à tout le monde. Je m'appelle Mamoudou Kamandiaï et je suis le directeur sportif de la Fédération sénégalaise de taekwondo et je suis également le directeur technique de la Fédération africaine de taekwondo. En fait, cette journée a été organisée sous l'égide de la Fédération sénégalaise de taekwondo. Et donc, c'est une journée dédiée à la détection de la petite catégorie. Et c'est un projet qui a été pensé et financé par la Fédération africaine de taekwondo. Actuellement, au moment où je vous parle, il y a six autres pays africains donc, qui font le même projet, à savoir au Madagascar, en Afrique du Sud, au Gabon, en Mauritanie, Congo-Brazzaville et au Ghana. Et en Éthiopie également. Voilà. Donc c'est les principaux pays qui font, qui bénéficient de ce financement pour la petite catégorie. Ce qu'il faut savoir également, malgré le nombre de participants, nous allons choisir uniquement 20 athlètes. Donc la Ligue de Thiès, on va choisir sur les 176 20 athlètes. Hier à Dakar, nous avons choisi 20 athlètes et aussi à Djoumbel, nous avons choisi 20 athlètes. Donc ce qui constitue une réserve de 60 athlètes hautement qualifiés. Et ça sera maintenant d'accompagner ces athlètes dans l'encadrement technique et scolaire en vue de la préparation des Jeux Olympiques. Maintenant, on compte bien sûr sur ce lot de 60 athlètes que le Sénégal puisse trouver son prochain ou sa prochaine médaille olympique. Ibrahim Assar, je suis le secrétaire général adjoint de la Ligue régionale de Thiès. Donc actuellement aussi je suis le secrétaire général exécutif et j'ai tout ce qui est l'aspect technique dans la région de Thiès. En fait, nous sommes dans le cadre du sport et tout le monde sait que le sport c'est la jeunesse. Donc raison pour laquelle il est bon aussi de faire des perspectives qui permettent au moins d'avoir le relève. Et voilà l'objectif qui a été visé par la Fédération africaine de taekwondo pour relever le niveau en vue de la préparation des JO de 2026. Pour la Ligue de Thiès, nous avons de grandes ambitions pour la jeunesse. Raison pour laquelle, au niveau régional, on organise chaque année des journées de petites catégories. C'est des journées dont seulement les juniors, peut-être les cadets et les minimes sont
sont concernés. Cela va nous permettre au moins de relever le niveau technique de la région de Thiès en ayant des échantillons de jeunesse qui vont prendre le relais après. Nous avons l'accompagnement de la fédération, même si ça nous manque encore beaucoup de choses. Parce que qui dit taekwondo, qui dit le sport, dit le matériel technique, la plupart du temps c'est ça qui nous manque. Parce que pour la jeunesse, il faut beaucoup de protection. Il faut aussi des matériels électroniques pour être au moins au même niveau national comme international. Et c'est ça qui nous manque souvent. C'est pourquoi à chaque fois nous lançons des appels pour qu'on puisse accompagner la Ligue. Parce qu'après tout, c'est le sport qui gagne. Et c'est le Sénégal qui gagne aussi. Il y a sport, il y a sport études. Donc à chaque fois, en tout cas, à notre niveau, la plupart du temps, cet accompagnement se passe au niveau des dojos, au niveau des salles. Parce que l'élève est tenu de faire des examens de passage de grade. Et chaque élève qui participe à ces examens de passage de grade doit obligatoirement au moins avoir la moyenne dans ces différentes matières. Donc cela va nous permettre au moins d'avoir un œil sur les études de chaque élève. Et à chaque fin de saison aussi, la Ligue organise des journées de récompense pour les élèves qui ont été méritants à l'école. Donc nous appelons vraiment à tous les combattants, mais aussi aux responsables de club, les maîtres, mais surtout les parents. Parce qu'après tout, c'est les parents qui nous donnent leurs enfants. Donc nous leur demandons d'avoir beaucoup plus de confiance sur ce qu'ils nous confient, bien sûr. Et aussi nous demandons vraiment aux responsables de club de mettre la main dedans, surtout en visant sur l'aspect technique, et de donner beaucoup de chance aux jeunes catégories, parce que c'est eux qui vont relever le défi plus tard.